Salut la gang, c'est Eric. Donc aujourd'hui au programme, un gros hit de notre rocker canadien, Monsieur Bryan Adams, avec la chanson Run to You. Si vous voulez les meilleurs cours de guitare en ligne, rendez-vous sur jejouedelaguitare.com, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche dès maintenant. Alors, Run to You de Bryan Adams, on va avoir besoin d'un capo pour celle-là en deuxième position. La chanson se joue avec des voicings de mi mineur, mais c'est en fait en fa dièse mineur, donc capo en deuxième fret. On se lance dans le verse, qui est également la section d'intro dans la chanson. C'est basé sur un accord de mi mineur, un accord de sol et un accord de la, mais ça va être vraiment avec des doigtés particuliers. Donc le mi mineur, on enlève l'annulaire pour le faire à uniquement un doigt, fait que c'est plus un mi mineur septième. Donc et ensuite on va déposer l'annulaire comme pour faire un accord de sol. Et on va faire. Et ensuite, on déplace tout ça deux frettes plus haut. Pour faire notre accord de la. Donc, je recommence du début. Et on joue ça en boucle plusieurs fois. Au niveau du pic à la main droite, piquez toujours vers la prochaine note. Donc, par exemple, la première mesure, je la prendrai avec ba, ba, o, ba, ba, o, ba. Et gardez cette même règle d'or là pour tous vos passages arpégés à la main droite, c'est toujours la meilleure façon de faire. Et là, après avoir joué plusieurs fois la section du couplet, on arrive au pré-chorus. Le pré-chorus, c'est uniquement des accords plaqués. Donc, on va plaquer un accord de Do deux fois. Ensuite, un Ré et un Si mineur. Donc, il n'y a rien de particulier là. Et on arrive au refrain. Donc, le refrain, lui, c'est un petit peu plus animé. Donc, un picking qui va avoir un peu de stop rhythm à travers. Et les accords vont être Mi mineur, Sol, Ré et La. Et au niveau des doigtés, le mi mineur est classique. Le sol, c'est un sol plus power chord. Donc, personnellement, je ne mets pas l'index sur la corde de la. Ensuite, le ré, doigté classique. Et le la, je le fais avec uniquement un seul doigt qui va barrer toutes les cordes. Ça fait un la un peu plus rock'n'roll que le la classique, comme ceci. Et au niveau du rythme, ça va comme suit, donc je vais jouer super tranquillement, incluant les stop rythmes, pour que vous saisissiez bien l'idée des changements d'accord et de l'inclusion du stop rythme. Changements d'accord vont se passer sur des coups par en haut,
toujours, toujours au don. On va répéter ça quelques fois et à la fin de tout, on va simplement arrêter sur l'accord de Ré, comme à la mesure numéro 10. Donc... Et là, on va revenir sur des riffs d'intro sur le couplet, encore une fois. Je refais donc le refrain au tempo de la chanson. Donc... Et ça, ça peut être bon de se mettre un petit peu de distorsion dans la section du refrain, donc un petit crunch. Et là, on retournerait faire des couplets et des refrains, et la seule section différente qu'il va y avoir, c'est le solo. Et il est super facile ce solo-là, alors je veux prendre la peine de vous le montrer. Ça commence avec 10, 9, 9, 9, avec une petite appoggiature sur le 10. Je vous rappelle qu'on est capot 2, donc la case 10, c'est la case 12 sur la guitare. Donc ça commence avec... Donc on fait une petite appoggiature vers le 10. Comme ça. Et ensuite, 9-9-9. Et là, ça va être le même mouvement, toujours, deux cases en dessous. Encore deux cases en dessous. Et là, on remonte de deux cases. Et là, on répète ça deux fois. Et là, on retourne pour des refrains jusqu'à la fin de la chanson. Bryan Adams va refaire le riff tout seul à la guitare. On va rocker ça jusqu'à la fin de la pièce, mais il n'y aura plus de nouveautés sur la guitare. Et voilà, c'est tout pour Run To You. Donc vraiment des beaux passages d'arpèges, super plaisants à jouer. Sinon, pas beaucoup de barrés, beaucoup d'accords ouverts. Donc vraiment, vraiment une chanson qui se joue bien, avec un petit solo, pourquoi pas, qui se fait très très bien, même pour les débutants. Alors, amusez-vous bien avec ça, et on se revoit dans un autre tuto. Ciao! Guitar.